La rédaction de Libraire 2 avait sélectionné cinq libraires, un couple de libraires d'ailleurs, Simon Roguet de la librairie M. Lire à Laval, Capucine et Ismaïl Saïd Mohamed de la librairie Combo à Roubaix. Chacun ses fans, visiblement. Fabienne Van Hul de la librairie Place Ronde à Lille. Benoît Trémolière de l'Infini Comédie à Bourg-la-Reine. François Ballot et Alphonse Claroux de la librairie de EXC Librairie à Paris. Les lauréats sont Capucine et Ismaïl Saïd Mohamed. Je vais commencer tout de suite parce que je vais pas y arriver, je pense. C'est incroyable d'être là. Nous, il y a un an, on n'était pas libraires. Ismaïl était dans l'immobilier. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. Et pourtant, ça fait plus de 10 ans qu'on rêvait de ça. Donc, il y a 9 mois, on s'est lancé. Donc, on a créé notre librairie Combo, donc spécialisée en BD, jeunesse, jeux de société, avec un salon de thé. Et d'être là, bah, c'est juste que bah, ça récompense tous nos efforts. Tout ce que tu as fait, Ismaïl, je suis super fière de toi. Je suis très fière d'être là. Et merci à tout le monde. Voilà. Bravo! Je vais être bref aussi. Moi, je suis fier de toi. Parce qu'on sait tous qui bosse le plus, c'est toi. Et je voulais vous dire merci. Pour nous, ça représente beaucoup, parce que ça fait plusieurs années, 15 ans qu'on prépare ça, qu'on travaille pour cette librairie, pour faire ce lieu, par rapport à certaines valeurs qu'on porte. Une dédicace à notre collègue de Lille. Et je pense que le monde, oui, est en train de changer. Et le monde de la librairie bouge. Et merci pour tous les libraires qu'on a rencontrés dans notre chemin, qui nous ont aidés. Et merci pour tous ceux qui sont pas là, mais qui nous regardent dans la petite vidéo. Je fais un petit coucou et un grand merci à ma famille, parce qu'elle m'a beaucoup aidé, et à la team qui est restée sur l'île. Merci pour tout. Merci. Nous, on est là. On a cette chance d'être présents aujourd'hui. Il y a Jeanne, il y a Marie et il y a Charlotte qui sont avec nous et qui font de la librairie ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, elles sont pas là, mais voilà, je pense fort à elles. Et j'embrasse mes enfants aussi. Merci.